il est gracieux. Voici notre Dieu, il est gracieux. Je vous invite, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, à ouvrir votre Bible avec moi dans Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Nous capables d'ouvrir Bible nous dans Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Voici notre Dieu, il est gracieux. Mais bon Dieu nous, son bon Dieu de grâce que lié. Tite chapitre 2, les versets 11 à 13. Je lis pour vous. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur, que notre Seigneur daigne et bénisse cette fonction écriture pour notre édification de notre âme. Amen. Et chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, voici notre Dieu, il est gracieux. Voici notre Dieu, il est gracieux. Dieu est parfait dans tous ses attributs. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est parfait dans tout attribut que il gagne. Dans tout attribut ça yo où joigne la perfection de Dieu. Par exemple, nous pouvons dire il est parfaitement saint. Il est parfaitement souverain. Il est parfaitement omniprésent, etc. Mais les hommes ont gardé les excellences. La galaxie a placé en tête de liste la grâce de Dieu. Mais si c'est bon Dieu, il a placé la sainteté au premier rang. Et c'est ça que fait dimanche dernier, nous avons vu. Voici notre Dieu, il est saint. Nous te voyons la sainteté de Dieu et nous te voyons que bon Dieu lui-même lui plaçait la sainteté au premier rang. Mais les hommes et sous gardés dans toute bagaille à travers champ et bien à travers la vie, les parler ou capable de parler plus de grâce que de parler de sainteté. Des plus chants qui écrit sur la grâce de Dieu. Que toute l'autre bagaille, par exemple, par sa grâce, je suis sauvé, que nous t'ai chanté, dans le commencement service ça. Amazing grace, grâce infinie. Gain des poèmes, des proses, tout écrit est sur la grâce de Dieu. Mais qui t'aime du seul moyen que l'homme pécheur pour qu'à atteindre le Dieu saint, c'est à travers de sa grâce. Alléluia. Grâce là, c'est lui qui base là. Grâce là, c'est lui qui fondation. Bon Dieu t'es toujours gracieux, même avant la mort de Christ. Ha! Ça dit la force. Bon Dieu t'es toujours gracieux, même avant la mort de Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu gracieux, ni dans l'Ancien Testament, tant qu'ou dans le Nouveau Testament. Personne moun pas capable sauver sinon par la grâce de Dieu. Alléluia. Personne moun pas capable rencontrer avec papa sinon par la grâce de Dieu. Gen moun ki ka di, gen moun ki sauvé par la loi. Tant qu'on ancien testament, gen moun ki ka di, gen moun ki sauvé par les œuvres, jamais. Ce n'est pas vrai, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Bon Dieu, t'es toujours qu'on sauve moun par la grâce. L'air n'a parlé de grâce de Dieu, des termes qu'il a utilisé tant qu'on la compassion de Dieu. Amen. La miséricorde de Dieu. Lent à la colère et riche en bonté et en fidélité.
l'amour de Dieu. Ce sont des termes qui sont associés avec la grâce de Dieu. Tout terme ça yo lié avec la grâce de Dieu. Yo tout attaché avec la grâce de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, sous prend somme 103, c'est un somme qui est associé avec la grâce de Dieu. Sous prend somme 112, etc., c'est un somme qui est associé avec la grâce de Dieu. Grâce campée comme thème principal, livre Nouveau Testament. Et nous joignons des multiples thèmes qui liés avec la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Presque chaque livre qu'on lit, ou après grâce, bon Dieu, ou bien un thème qui a un rapport à grâce de Dieu. Et si vous regardez les lettres de Paul, ou capable de toujours commencer, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Apôtre Pierre, dans conclusion chapitre 5, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit que le Dieu de toute grâce, mes chers amis, vous trouvez dans toute livio parce que la grâce de Dieu, c'est lui qui ben nous yon relation avec bon Dieu. Le Dieu saint, mes chers amis. Et si vous regardez le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui c'est manifestation de notre Dieu, eh bien, vous trouvez yon égal aussi à travers la grâce. Pas gain trois Dieu, non, seul Dieu qui gain. Grâce signifie la faveur imméritée de Dieu. C'est ça la grâce. Grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est richesse bon Dieu qui descend vient joindre l'homme sous la terre, mes chers amis, qui pas mérité. Quel que soit effort à faire pour t'a dit pour sauver, son pas besoin la grâce ou a perdu. Ou perdu longtemps. Si tu as dit, m'a fait effort pour me sauver, sans qu'on pas besoin de la grâce, ou a perdu. Premier point que nous avons, et c'est la soirée que nous avons, les sept caractéristiques de la grâce de Dieu. Peut-être que vous-même, vous avez dit, il y a plus que sept. Mais moi, énumérer sept pour la soirée. Sept caractéristiques de la grâce de Dieu. Et si vous ne voulez pas dire caractéristiques, mon capable dit tout, cette qualité de la grâce de Dieu. Grâce, bon Dieu, riche. Grâce, bon Dieu, riche. Et grâce, bon Dieu, c'est pour tout le monde que lié. Je vous invite à ouvrir aussi votre Bible dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de qui ça? La richesse de qui ça? De sa grâce. Alléluia, m'lo là ensemble avec moi. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Grâce, bon Dieu, riche, elle est pour tout le monde. Numéro 2. La grâce de Dieu est souveraine. C'est pas grâce lui qui fait nous sauver. Amen. Bon Dieu, pas obligé sauver nous. Non. L'homme t'a péché dans le jardin d'Éden. L'homme t'a désobéi, bon Dieu, dans le jardin d'Éden. Eh bien, l'homme t'a perdu relation avec bon Dieu. L'homme t'a perdu connaissance de sous mon Dieu. L'homme, mes chers amis, t'a pral tourner chercher joindre mon Dieu encore après que t'es fini mettre le dehors dans jardin d'Éden. L'homme t'a pral mourir et c'est ça Paul dit oui, le salaire du péché c'est la mort. Tout le monde est pour passer par la mort, sauf si Jésus-Christ est en retourner kounya là ou va gagner dans mort. Tout le monde est mais pour monde qui mourir dans Christ ou gagner victoire sur la mort. OK. La grâce de Dieu est souveraine. Mes chers amis, la grâce de Dieu règne dans notre vie. La grâce de Dieu gouverne. Regardez Romains chapitre 5, versets 20 et 21 ensemble avec moi. C'est la grâce de Dieu qui gouvernait. C'est la grâce de Dieu, mes chers amis, qui régnait dans la vie nous. Dans Romains chapitre 5, versets 20 et 21, il dit, or la loi
est intervenu pour que l'offense abondât. Mais là, où qui ça? Où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce qui ça régna, la grâce règne. C'est ça, la souveraineté de la grâce est souveraine, la grâce règne, mes chers amis, la grâce gouverne, afin que l'homme, comme le péché, a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur.